Abena, l'affaire a commencé. L'affaire a commencé. J'ai bien dit que cette affaire de Corona. J'ai bien dit que cette affaire de Corona allait prendre l'ampleur. Ça a commencé. Ici, nous sommes à Freiburg. Là, j'enregistre live. Les Allemands n'en peuvent plus. Ils ont écrit sur les voitures, nous voulons protéger notre vie, nous voulons protéger nos postes de travail, et nous en avons marre de cette histoire de mensonges de vaccins. Et voilà, je vais poster ça tout à l'heure sur mon Facebook. Je savais que tôt ou tard, ça allait aller en cacahuète en couille. Le peuple allemand en a marre. Vous pouvez voir écrit sur les voitures. Voilà. Je ne sais pas comment ils se sont organisés, ils se sont déployés. Mais je crois que c'est parti. Le peuple en a marre. Tous les gens, les voisins sont... Vous pouvez voir, je ne sais pas si je peux agrandir. Les gens sont devant les fenêtres et ils clament. Ils sont très contents de cette réaction. Voilà. Le peuple en a marre de ce mensonge. J'ai dit tôt ou tard, le monde allait se réveiller. On peut tromper une partie du peuple, mais on ne peut jamais tromper tout le peuple tout le temps. C'est parti, c'est à Freiburg là. Je crois que c'est un message fort à ces personnes qui se croient haute place, hautement placées, et nous dicter, nous, les êtres humains d'en bas, ce que nous devons faire. Là, nous sommes juste à Riesenfeld. Je ne sais pas jusqu'où cette démonstration part, mais ils sont assis, ils sont dans des voitures, et stratégiquement, je ne sais pas comment ça s'est fait. Je peux voir là devant une voiture de la police allemande. Voilà, il y a une voiture de la police allemande. Je crois que c'est une démonstration de force. Et c'est un signal fort qui part de Freiburg à Riesenfeld. Je crois que c'est... ça va se poursuivre comme ça dans d'autres régions ou d'autres villes de l'Allemagne. Le peuple ne peut pas supporter cette prison mondialement organisée, soi-disant coronavirus. J'ai vu hier une vidéo qui m'a donné froid dans le dos où un monsieur, il a carrément fait... il a utilisé un test. Il a ouvert l'emballage d'un test de la COVID-19 et il a testé avec le coca et le résultat a été positif. C'est hallucinant. Petit à petit, ça se murmure. Voilà, c'est écrit sur cette voiture, Hör auf uns zu quälen. Arrêtez de nous comprimer. Et lass die Maske fallen. Arrêtez de nous comprimer et laissez le masque tomber. Donc, il faut comprendre que le peuple petit à petit en a marre et ça ne pourrait pas durer longtemps. L'Allemagne est un des pays les plus disciplinés au monde. Et tel que c'est parti avec l'Allemagne, d'autres pays vont suivre. On nous dit que les hôpitaux, autant pour moi, sont pleins. Mais comment expliquer que les hôpitaux sont pleins alors que lorsqu'on vous teste positif, on vous envoie vous confiner à la maison? Que de mensonges! Que de mensonges! Ça ne pourrait durer aussi longtemps. Je peux lire sur cette voiture. C'est écrit, c'est bien écrit. C'est bien écrit.